Je suis désolé, mais voilà, j'arrête YouTube définitivement. Là, je ne reviendrai pas. Donc, j'en ai marre des gens qui se foutent de ma gueule. Donc, j'arrête YouTube définitivement. Et donc, voilà. Donc, je vous fais une petite vidéo parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je ne savais pas. Peut-être que je reviendrai un jour. Mais non, malheureusement, j'arrête définitivement parce que là. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que. Bah, que j'arrête ma chaîne. Parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. Hein. J'ai plus de dislikes que de likes. Donc on se fout de ma gueule, j'en ai ras le bol. C'est à mon boulot qu'on me prend la tête. C'est sur YouTube qu'on me prend la tête. Hein. On marque pas de vacherie. Moi, on me met des dislikes, c'est pour montrer que ma chaîne, c'est de la merde. Les pouces bleus, les pouces rouges, ils disparaissent comme ça. Je sais plus combien d'abonnés. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est de se foutre de ma gueule. C'est de se foutre de ma gueule. YouTube, j'arrête définitivement. Là, je me suis calmé, donc je parle sereinement. Les vidéos que je devais vous faire au port, terminé, je n'en ferai pas. Donc voilà, ne me demandez pas ce qui se passe et tout ça. Voilà, j'arrête YouTube tout simplement et voilà. Donc voilà, j'arrête ma chaîne, j'essaye de rester zen parce que là je suis au bord de m'énerver réellement. Salut, et puis voilà. Donc voilà, j'arrête ma chaîne, salut. Donc j'arrête YouTube et voilà, je suis désolé pour vous mais... J'arrête parce que j'ai plus d'idées, ça sert à rien que je continue mes vidéos. Vous voulez quoi? Des contenus qui ne servent à rien? Des contenus que je raconte ma vie? Comme ça j'arrête tout. Et venez pas me demander rien du tout parce que de toute façon le prochain que je vois qui me marque qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, je vous bloque. Comme ça c'est vite réglé le problème. J'ai pas besoin de vous, j'ai jamais eu besoin de vous, je vous le dis clairement. Vous êtes là juste pour que je m'amuse. Les vidéos c'est juste de l'amusement en réalité. De vous, je n'ai rien à cirer. Comme je vous dis, gros bisous, mais je m'en fous de vous. Voilà. Donc voilà, c'est clair. Je reviens sur YouTube. Si j'ai des réflexions, bah... Ah voilà, donc si j'ai des réflexions, bah tant pis pour moi. J'avais pas qu'à réagir comme ça la dernière fois. Donc voilà. Donc encore une fois, je suis vraiment désolé. Je vous jure que ça ne se reproduira pas. J'ai mal à ma France de comment tu écris et tout ça, mais j'écris comme je veux. Ceux qui sont pas contents, vous vous barrez. Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que vous venez me faire chier? Bah bonjour. Petite vidéo pour vous annoncer mon retour le 21 avril avec avec une chanson de fond du rock and roll. Voilà. Voilà. Le 21 avril, je reviens. Je vous souhaiterais joyeuse Pâques. J'essaierai de trouver un thème pour ma chaîne. Et pour le moment, vive le rock'n'roll! Bah bonsoir, donc je sais pas si vous me voyez pas beau, vous devez pas me voir beaucoup, il fait nuit, donc je vous fais une petite vidéo vite fait comme ça. Bon, bah bonsoir, je fais une petite vidéo vite fait, je parle pas très très fort, mettez des casques. Donc bah s'il te plaît, tu peux me répondre en dessous de ma vidéo, pour me dire ce qui se passe, et puis s'il te plaît, remets-nous là s'il te plaît. Allez Jerry, s'il te plaît, réponds-moi, dis-moi pourquoi tu as effacé ta vidéo. Bonjour, donc je vous fais une petite vidéo, donc voilà ma deuxième de la journée. Donc voilà, donc bah, j'espère que vous allez bien, moi là je vais pas m'étaler dessus, je vous l'ai déjà dit ce matin. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un peu plus sur quoi je vais parler tout ça, parce que là ça tourne en rond ma chaîne, je sais pas trop quoi parler. Pour le moment j'ai encore pas trouvé sur quoi je vais pouvoir parler. Donc je vais réfléchir à ça, on peut pas faire ça tout de suite. Oh, j'ai pas un cheveu ici là. Si j'avais un cheveu. Donc on peut pas faire ça comme ça. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à ce que je vais pouvoir parler tout ça. Pareil, en ce moment, on n'a pas beaucoup de nouvelles de Jerry. Désolé. On n'a pas beaucoup de nouvelles de Jerry, mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas fait d'enquête. Donc, ceux qui ont des nouvelles de lui, bah, dites-moi-le.
parce que moi j'ai pas de nouvelles de lui ni au téléphone ni par message. Ceux qui ont des nouvelles, dites-moi le. J'ai pris cher, toi. Et je me suis battu coude que coude pour te défendre. Et toi, ce que tu fais aujourd'hui, tu me laisses tomber comme une vieille chemise. Tu me réponds plus. Je te demande pas de prendre ma défense, Jerry. Je te demande juste de me répondre. De me répondre de temps en temps. Voilà, c'est tout. De me répondre de temps en temps. Là, maintenant, tu me réponds plus. Tu me laisses comme un vieux mouchoir, tu me jettes. Une enquête que tu m'avais promis. Tu m'avais dit que tu allais faire une enquête avec moi. Que je ne sais que je ne verrai jamais le jour de cette enquête. Et voilà, c'est pas normal, Jerry. Comme on fait des promesses aux gens, on les tient. Toi, tu fais des promesses aux gens, ou tu fais des promesses aux gens dans le vent. Et c'est pas normal, Jerry. Bah bonjour, donc si vous voyez cette vidéo, c'est que je reprends ma chaîne et tout ça. Si vous entendez un chat qui gueule, c'est parce qu'il y a un chat qui gueule depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui se passe. Mais bon. Désolé, je parle du nez comme tout le temps, je suis enrhumé. Je vais passer un message à ma petite copine que j'aime de tout mon cœur. Donc si tu veux venir discuter avec moi sur Orgood, donc il n'y a pas de souci. Tu demanderas à une personne qu'on connaît tous les deux, que je ne citerai pas le nom. Elle sait mon email et tout ça, je lui ai envoyé. Donc vois avec lui et comme ça, viens parler avec moi sur Orgood. Et voilà. C'est ma vie, ça ne vous regarde pas. Je dis à cette fille que je l'aime sur ma chaîne. Et oui, je dis que je l'aime. Et alors, ça vous regarde? C'est pour ça que vous êtes obligé de me poser des questions, me dire qui c'est. Ça ne vous regarde pas, qu'est-ce que vous me cassez les couilles, merde. Occupez-vous de votre cul. Elle s'appelle... Elle a 25 ans. Et donc voilà, donc, je suis heureux avec. Donc comme ça, ça évitera, ça calmera toutes les rumeurs. De dire que c'est des conneries, je me fais manipuler et tout ça. Non, je me fais pas de manipuler, je la connais de l'autre date. Donc voilà, comme ça vous le savez, et voilà, c'est clair. Voilà, je voulais te dire que je t'aime à la folie, mon amour. T'es la femme de ma vie, je t'aime comme un dague. Là, ça fait la troisième vidéo que je fais parce que je me plaisais pas dans les vidéos. Je veux être parfait pour toi, parce que toi, t'es parfaite. Donc voilà, je veux être parfait pour toi, et voilà, je t'aime comme un fou. Et voilà, je ne veux surtout pas te perdre. Voilà, ce soir, je suis célibataire, parce que... Genre, de toute façon, en même temps, j'étais pas en couple, mais on me faisait croire beaucoup de choses et tout ça. Et comme moi, je suis un peu naïf et tout ça, je suis tombé dedans et tout ça, comme un abruti que je suis et tout ça. Donc voilà, donc j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre des réseaux sociaux, j'en ai marre de YouTube, j'en ai marre qu'on me prenne pour un con, voilà, pour être précis, pour un con, parce qu'on me prend pour un con. Hein. Donc maintenant, vous commencez vraiment à me péter les rouleaux. De dire c'est les chaleurs, ils draguent les meufs et tout ça, pour leur demander de venir parler en privé. Demande, j'ai demandé à des mecs aussi de venir parler en privé avec moi. Et alors, il est où le problème? C'est des gens que j'apprécie que je leur demande de venir parler en privé avec moi. C'est pas pour draguer, c'est pour discuter, pour me faire des amis. Et alors, il est où le problème? Il est où? J'ai le droit de faire ce que je veux sur ma chaîne, je ne drague personne. Si j'ai fait ça, je l'ai fait aussi avec des mecs, je drague les mecs aussi. Et puis de toute façon, je sais même pas pourquoi je discute avec vous. Je fais ce que je veux sur ma chaîne. Ça vous regarde en quoi ce que je fais, hein? C'est parce que je leur demande de parler en privé avec moi. Je fais quoi de mal de demander de parler en privé avec moi? J'ai rien de mal. C'est pour éviter qu'il y a des abrutis comme vous qui viennent écouter ce que je dis et qui déforment les choses. C'est pour des abrutis comme vous parce que je commence à en avoir marre. Dès que je dis un truc, ça y est, c'est parce que je drague et tout ça.